Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Nous allons parler juste de l'ouverture de la bouche, surtout lorsqu'on veut chanter une note aiguë. Alors, l'ouverture de la bouche, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir une certaine couleur. Et par rapport au style, déjà par rapport au style classique, il y a une ouverture qui est recommandée, qui est exigée. Une certaine ouverture bien particulière qui est exigée pour avoir un son bien rond, un son bien pur. Alors, je vais vous montrer par un petit exemple simplement. Alors, en classique, on ouvre la bouche toujours de haut vers le bas, comme ça. On laisse tomber la mâchoire inférieure et on soulève le palais. Surtout lorsqu'on commence à aller dans les aigus, on soulève le palais, on crée beaucoup plus d'espace au niveau de la gorge et surtout on ne crée pas des tensions inutiles dans la gorge. Alors, je vais prendre une note simple, médium, pas vraiment aiguë. Le son il est rond. C'est différent de lorsque voilà, on ouvre la bouche dans tous les sens. Là, on ouvre la bouche de haut vers le bas, on laisse tomber la mâchoire, on se lève le palais et on a un son comme celui-ci. Mais par contre, lorsque on ouvre la bouche dans tous les sens, on a un son un peu bizarre, qui est un peu criard, qui est trop trop clair, trop trop ouvert. Ça fait quelque chose du genre. Sentir la différence, vous pouvez entendre cette différence là et voilà, c'est juste ça. Voilà, merci.